bien. Tu m'as fait peur, hein? Voilà. On lui donne... Voilà, tu as tout compris. On donne un 10 à ce garçon. Moi, je... Allez, qui c'est qui est la dernière à chanter? La dernière de la série. Regardez ses yeux, bleu-gris, c'est la petite Laurie. À toi. Vas-y, on applaudit très fort la petite fille. Laurie, bonjour. 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 Fais pas un bisou. Laurie, tu es très belle. Tu as de très beaux yeux. Est-ce que ta maman a d'aussi beaux yeux que toi? Comme moi. Comme toi. Comment elle s'appelle? Daniel. Daniel, où es-tu? C'est toi? Ah oui! Elle est ravissante, votre épouse. Vous êtes le mari. Vous faites bien jeune, hein? Tous les deux. Ton papa, il fait très jeune. Comment il s'appelle? Norbert. Bonjour Norbert. Je vois que tu as un petit frère. Oui. Il est tout petit, hein? Oui. Oh oui. Il est pas très grand, il a trois ans. Il a la même taille que Philippe Bouvard, c'est pour ça que je vois mal. Il est gentil ce petit frère? Oui. Oui. Tu en voudrais encore un autre? Non. Non, c'est le cri du cœur. Les filles sont très jalouses. Quand arrive un... ou les enfants sont très jaloux, quand arrive dans la famille un autre bébé. Ah oui, oui. Tu vas à l'école? Oui. Tu m'as pas dit où tu habitais, au fait. À Courbevoie. À Courbevoie, mesdames, messieurs, c'est près de Paris. On peut même y aller à pied. Toi qui fais du sport, c'est de l'autre côté de la Seine, voilà. Qu'est-ce qu'il fait, papa, comme métier? Informatique. L'informatique. J'y comprends rien. Mes enfants, oui, pratiquent l'informatique. Moi, rien. Alors, je fais du sport. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Directrice. Directrice. Directrice de quoi? D'école. Directrice. Pourquoi directrice? Parce que j'aime. Parce que j'aime. Puis c'est elle qui commande, la directrice. Tu manges à la cantine ou tu manges chez tes parents? À la cantine. Et comment c'est? C'est un peu grand. C'est un peu grand. Est-ce que c'est pas un peu gras aussi? Est-ce qu'on mange bien à la cantine? Oui. On mange mieux chez maman ou à la cantine? Moins mieux que chez maman. C'est moins bien que chez maman. Voilà un compliment, madame, dont vous devez être fière. À la cantine, c'est moins bon que chez maman. Parce que chez maman, c'est bon, et puis maman fait de la cuisine originale. Qu'est-ce qu'elle sait faire cuire, maman? Des frites. Voilà. Des frites, par exemple. Et puis quoi? De la viande. De la viande, c'est pas... Et à la cantine, qu'est-ce qu'on mange? De la salade. De la salade seulement, et encore pas lavée. Non, je plaisante. C'est pas facile, tu sais, de faire la cuisine. Hein? Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson? La cassette. La cassette. Vous avez fait les frais d'une cassette. Monsieur Massia, j'espère que vous êtes venu avec d'autres cassettes. Ah oui. D'accord. Alors, nous allons écouter cette chanson. J'attends, je vais te mettre le micro juste en face de... Voilà. Qu'est-ce que c'est, cette chanson? Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Faites voir dans quel ton vous le faites. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. Ce n'est pas facile de te faire entrer, mais je vais quand même essayer. Tu devras d'abord choisir un bon métier et le faire avec passion. Avec les gens, apprendre à les aimer sans te faire trop d'illusions. Protège la ville de l'arbre et du ruisseau. Te faire des amis parmi les animaux. Vivre dans l'espoir et chanter quand il pleut. Alors tu seras heureux.
chantes, mais formidablement bien. Tu chantes très juste. Quel âge tu as ? 5 ans et demi. Et vous avez entendu cette voix ? Et puissamment aussi, elle chante avec puissance. Non, non, elle chante avec puissance et tout. Vous êtes la... Vous êtes la grand-mère ? Les deux grand-mères. Vous avez l'air de deux copines, non ? J'ai vu que vous saviez la chanson, madame, hein ? Je vous avais vu faire. Vous verrez de... Vous allez voir la caméra. Bien. Tu chantes drôlement bien. Fais-moi voir encore un petit coup. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. Ce n'est pas facile de te faire entrer, mais je vais quand même essayer. Tu devras d'abord choisir un bon métier et le faire avec passion. Vivre avec les gens, apprendre à les aimer, sans te faire trop d'illusions. Protéger la vie de l'arbre et du ruisseau, te faire des amis parmi les animaux. Vivre dans l'espoir et chanter quand il pleut, alors tu seras heureux. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. Ce n'est pas facile de te faire entrer, mais je vais quand même essayer. Bravo. Attends. Attends, attends, Simon. Attends. Je lui donnerai un jouet tout à l'heure. Tu sais que tu chantes vraiment bien, je te le jure. Je te dis pas ça comme ça. C'est l'avis du public, hein. Elle est formidable, elle chante cette bien, petite hein. fille. Mmh. Allez, va vite, t'assois, on donne une bonne note. On donne un 10. 10, 10, 10, 10. Voilà, mes enfants, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Et...